Bonsoir à tous et bienvenue sur 01net TV, 01net.com pour ce nouveau numéro de 01 Live Hebdo. C'est déjà le troisième. Nous sommes ravis de vous retrouver pour une demi-heure d'actualité high-tech. Le meilleur de l'actualité high-tech, c'est maintenant. C'est Jérôme Colombin, bonsoir. Salut François Sorel, salut à tous et bienvenue pour cette troisième édition, tu l'as dit. Et on a, une fois encore, plein de choses, plein de sujets à aborder avec vous et avec nos invités. On commence par le sommaire, bien sûr, et on va débuter par Microsoft. Un nouveau PDG a enfin été nommé, après les atermoiements de ces derniers mois. On va en parler dans un instant avec Frédéric Simotel. Sony qui décide de se retirer du marché du PC. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, utilisateurs? Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue économique un peu plus global? On va en parler également. Happy birthday Facebook. Facebook fête ses 10 ans. Alors, on fera le point justement sur Facebook 10 ans après. Joyeux anniversaire. Et puis, une innovation à la française. Tenez-vous bien, nous allons prendre de la hauteur. On va décoller avec un projet de voiture volante française. Waouh, ça c'est pas mal. Avec Delphine Sabatier, directrice de la rédaction de 01net.com, eh bien, on s'intéressera à Google. Google est-il trop puissant? On ira faire un tour à Amsterdam où se tenait il y a quelques jours un salon, le salon ISE. Alors c'est un salon professionnel dédié à l'audiovisuel, mais David Noguera nous a rapporté des trucs vraiment insolites et intéressants. Connaissez-vous la marque Kazam? C'est une nouvelle marque de smartphone anglaise qui s'apprête à arriver en France. On va la découvrir dans quelques instants depuis le 01 Lab avec Stéphanie Molinier. Voilà, c'est le 01 Live pendant 30 minutes. Vous pouvez nous suivre sur 01net.com, sur Dailymotion, sur YouTube et chez nos amis de Live TV d'Orange. Soyez les bienvenus. Et on commence bien sûr par notre question 01 Live Orange, vous le savez, comme chaque semaine, et revenir sur la question qu'on vous posait la semaine dernière. Oui, on parlait de musique la semaine dernière. Comment écoutez-vous la musique aujourd'hui? Et vous avez voté pendant une semaine avec les oreilles, oui, effectivement. Voici la réponse. Regardez ça. Alors, j'ai un peu honte, je pense qu'on va aller se cacher. Oui. Ouh là là, majoritairement, vous seriez donc de vilains pirates. Oh mon Dieu, quelle horreur. Et oui, bon, heureusement, il y a 19% d'entre nous qui écoutent la musique en streaming payant. C'est plutôt pas mal quand même. Ça veut dire qu'on est prêt à donner 10 euros par mois pour écouter de la musique. Le streaming gratuit se porte bien également. Donc toutes les plateformes, Spotify, Deezer, etc. Qobuz, la semaine dernière, on parlait de cette nouvelle plateforme qui va arriver, qui s'appelle Beats Music aussi. Exactement. Et puis YouTube, qui, c'est vrai, aujourd'hui, est un vrai diffuseur de musique à part entière. Voilà, 10% achètent encore des morceaux sur iTunes et 7% seulement écoutent les vieux CD. Ben vous savez, oui, ceux qui sont dans les armoires et qui prennent la poussière, comme ça. Moi, je suis même dans un carton fermé, je n'ai pas ouvert depuis 10 ou 15 ans. Voilà, et on va maintenant vous proposer notre nouvelle question 01 Orange pour cette semaine. Et là, on va s'intéresser, puisque tout à l'heure, on va parler des 10 ans de Facebook, aux réseaux sociaux. Et oui. Puisque c'est une étape c'est une étape importante, 10 ans de Facebook. Alors aujourd'hui, où en êtes-vous, vous, dans votre utilisation des réseaux sociaux? Quel est votre réseau social favori? Voilà, êtes-vous plutôt Facebook? Êtes-vous plutôt Twitter, Foursquare, Instagram, Pinterest? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Foursquare, je l'ai dit déjà. Bref, il y en a quand même pas mal. Allez voter sur la page de 01net.com de l'émission et dites-nous quel est votre réseau social préféré. Voilà, 01net.com, la page 01 Live et juste en dessous du player, là, juste en dessous de l'image que vous êtes en train de regardez, il y a le sondage, c'est très simple. Voilà, on compte sur vous. Tiens, petit scoop, la semaine prochaine, on va vous offrir un cadeau dans 01 Live. On peut d'ores et déjà vous le dire, il y aura un très joli PC 2 en 1, mais on en reparlera. Et puis vous le savez, vous pouvez interagir tout au long de cette émission sur Twitter, hashtag 01 Live. Posez vos questions, vos commentaires, vos réactions, tout ce que vous voulez, on est à l'écoute. Allez, on attaque avec l'actu de cette semaine. Yes, my dear. On y va. Et on va parler de Microsoft maintenant. Microsoft qui eh bien, a enfin trouvé son nouveau PDG. Alors, il a un nom pas facile, je l'ai noté, c'est Satya Nadella. On va s'y faire. Oui, parce que c'est vraiment une rockstar maintenant, ça y est. Il est propulsé sur le devant de la scène, c'est quand même l'un des patrons d'une des sociétés les plus importantes au monde. Il est indien, ce monsieur, il est pas très vieux, il a 46 ans, je crois. C'est donc le troisième PDG de Microsoft, c'est historique. Alors, on a eu Bill Gates, bien sûr, le fondateur, Steve Ballmer, qui est resté pendant de nombreuses années patron de Microsoft. Et voilà donc maintenant, M. Satya Nadella arrive. Et on va en parler avec Frédéric Simotel. Bonjour Frédéric. Bonjour Jérôme, François. Voilà, Frédéric Simotel, bien sûr. Oui. 01 Business.
qui est là pour nous décrypter un petit peu cette information. Alors, on s'y attendait, hein, bien sûr, un nouveau patron. Oui, ça fait longtemps qu'on cherchait, puisque Steve Ballmer avait annoncé son départ. Bon, ça faisait un moment déjà que Microsoft cherchait un remplaçant à Steve Ballmer. Il y avait des rumeurs autour du cours de bourse, voilà. Et puis, on se demandait, est-ce que Microsoft va réussir à se renouveler, à rater le virage des mobiles? Voilà, il y avait tout un tas de questions. Beaucoup de noms avaient circulé. On imaginait même des gens totalement extérieurs à l'univers IT. On a parlé du patron de Ford, d'un patron de, d'un genre le EDF américain, voilà. Et puis là, eh bien, on a pris un pur produit Microsoft, puisqu'il a, vous l'avez dit, alors il a fait c'est un Indien, il a fait ses études, aujourd'hui naturalisé américain, oui. Mais il a fait ses études en Inde, et il n'est venu aux États-Unis que sur la fin de ses études, donc pour son MBA. Il est rentré chez Microsoft à 24 ans, je crois. Il a fait un petit détour chez Sun. C'est vraiment un Microsoft boy. Ouais, il a fait un petit détour chez Sun juste avant, et ensuite, voilà, il a passé 22 ou 24 ans chez enfin, il est chez Microsoft depuis 22 ou 24 ans. Vous pensez qu'il a un Mac ou pas chez lui? Pur produit, ah, il a tout à mon avis. Et en tout cas, pour l'instant, alors évidemment moins médiatique qu'un Steve Ballmer, qui, vous savez, on connaît toutes ses prestations sur scène, il était très virevoltant, quelqu'un de plus calme. Et alors, ce qui est important, c'est quelqu'un câblé cloud. Oui. Alors lui, c'est Monsieur Cloud. Oui. C'est quelqu'un, bon, il a travaillé sur différents projets, mais en tout cas, depuis une dizaine d'années, il s'occupe chez Microsoft de tout ce qui touche au cloud. Et on sent vraiment, ça va être le nouveau, l'un des nouveaux axes. Et je pense que c'est pas un hasard qu'ils aient pris ce personnage-là. Il réfléchit différemment. Il réfléchit différemment à la façon de distribuer les logiciels. Le cloud, c'est l'avenir. Et puis, c'est aussi un petit peu l'échec de Steve Ballmer, qui n'a pas pris le cloud suffisamment vite. Voilà. Donc, on a eu l'offre Azure qui est arrivée, et c'est lui qui est en train de pousser tout ça. Et ça, puis, c'est pour les pros, hein, Azure, hein, c'est l'offre Azure pour les pros. Oui, mais... Il y a SkyDrive pour, le grand public, et qui s'appelle... Oui, c'est plus SkyDrive, OneNet. D'ailleurs, parce que... Oui, c'est encore changé de nom. OneNet, OneDrive, on est pris en défaut. En tout cas, c'est quelqu'un qui est câblé cloud. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire toutes les applications, tout ce qui est sur les mobiles, tout ce qui est toutes les applications qu'on va avoir arrivées avec tous nos nouveaux vêtements connectés. Eh bien, voilà, tout ça va être dans le cloud, les données vont être dans le cloud. Donc c'est vraiment, je pense, c'est un vrai renouveau chez Microsoft. En plus, il faut rappeler quand même qu'il y a un vrai faux départ de Bill Gates, puisque Bill Gates a annoncé qu'il quittait le conseil d'administration de Il n'est plus dans l'organigramme. Il n'est plus dans l'organigramme, mais si, mais il y est quand même, il revient par une porte, voilà, et de façon plus conséquente, parce que jusqu'alors, on estime qu'il passait 10% de son temps chez Microsoft, le reste, il le consacrait à sa fondation, enfin, tout un tas d'activités. Aujourd'hui, ça y est, si on regarde l'agenda de la fondation, il est beau, un petit peu moins présent, et il a lui-même annoncé qu'il passerait environ un tiers de son temps chez Microsoft, alors à coacher sans doute Satya Nadella, mais aussi à réfléchir à tout un tas de choses. Et je pense qu'on va... Pourquoi ? Parce que finalement, on peut dire que ça s'est mal passé avec Steve Ballmer. Ça s'est pas mal passé, mais... ça s'est pas mal passé. Ça aurait pu être différent, mais je pense que Bill Gates, il a ce recul nécessaire aujourd'hui. Bon, c'est un passionné. Il a ce recul nécessaire aujourd'hui pour voir que le marché est en train de changer. Mm-hmm. Voilà, Steve Ballmer, il a géré, mais je pense qu'il était tellement dans l'opérationnel qu'il a peut-être pas vu tous ces signaux extérieurs. Bill Gates, il a eu le temps de les voir. Il a un gars, Satya Nadella, qui connaît très bien le monde du cloud. Et voilà, à deux, ils vont pousser tout ça. J'en ai l'impression que c'est un peu les pompiers de Microsoft, parce que ça va pas très très bien chez Microsoft. Hein. Alors, on se rend compte que Windows 8 n'est pas véritablement un succès. C'est une image, hein, parce que on voit tous, je pense que ce sera intéressant d'ailleurs de poser cette question un jour aux internautes. Mm-hmm. Quand on utilise un Windows Phone, c'est pas si mal. Voilà, les produits sont pas si mal, mais en image, voilà. Windows 8 qui voit son menu démarrer disparaître, une interface qui a complètement chamboulé des milliards d'utilisateurs. Mais c'est tout ça, c'est tout ces... Je veux dire, c'est quand même... Ça n'empêche pas d'être un succès commercial. Voilà, c'est pas un succès commercial, Windows 8. Pas autant que Windows 7. Quand même. Oui, mais il faut quand même voir quelque chose. Mais c'est la baisse du marché des PC aussi, peut-être, qui explique. Oui, mais est-ce que c'est justement parce que le Windows 8 ne marche pas si bien qu'il y a une baisse du marché des PC aussi? On peut voir ça dans l'autre sens. Après, voilà, il a pas vu tout ça. Mais en tout cas, voilà, on a quelqu'un de nouveau. C'est vrai, je pense pas qu'on puisse parler d'effet pompier. Je pense qu'on peut parler d'une nouvelle ère pour Microsoft. C'est quand même une boîte qui va fêter ses 40 ans l'année prochaine. Alors, je sais pas si on en parlera autant que les 10 ans de Facebook, mais en tout cas, elle fête ses 40 ans. Trois patrons seulement en 40 ans. C'est quand même, il y a une certaine stabilité. Et là, je pense qu'on va vivre quelque chose. Il faut voir aussi quelque chose. Vous savez, en ce moment, on voit toutes les valeurs financières qui sont en train de chuter partout. Les valeurs refuges, ça devient quoi? On l'a dit sur BFM Business, ça devient la high-tech. C'est les valeurs refuges des gens. C'est les Google, les Apple, les Microsoft. Les Microsoft. Microsoft a une capitalisation boursière incroyable, enfin toujours aussi importante. Mmh. Les gens continuent à croire en Microsoft, en Apple, en toutes ces valeurs-là. Donc voilà, il faut continuer à continuer.
BlackBerry, moi, je ne l'ai pas cité, hein. C'est vous, moi. Mais en tout cas, voilà, il faut continuer à croire en Microsoft et même, je pense, là, regarder de près ce que va faire Satya Nadella dans les prochains mois. Très bien. Autre géant qui fait parler de lui cette semaine, eh bien, c'est Sony, le japonais, fabricant de tas de choses, mais notamment de PC depuis longtemps. On connaît évidemment les PC Vaio. Ben Vaio, en tout cas, le PC chez Sony, c'est fini. Ben oui, en fait, toute l'entité PC de chez Sony va aller du côté d'un fonds d'investissement japonais qui rachète en fait la marque Vaio. C'est quand même un sacré soubresaut, hein, cette information, parce que ça veut dire que bientôt, il n'y aura plus de PC signé Sony. Alors, la marque Vaio continuera d'exister. Exactement. Hein, peut-être pas partout dans le monde, hein, c'est pas encore sûr. Mm-hmm. Peut-être que ça sera encore une marque très présente au Japon, mais pas forcément en Europe. Et voilà, on se rend compte qu'encore une fois, il y a un acteur supplémentaire qui se désengage du PC. Voilà. C'est étonnant, hein ? C'est étonnant. Le marché est vraiment en train de se restructurer depuis un moment, mais vraiment, le monde du PC, voilà, je pense que Sony aujourd'hui ne s'est jamais vraiment senti à l'aise sur le monde du PC. Je crois que les parts de marché sont assez faibles. Alors, il joue un peu sur la qualité, le Vaio. Il s'est positionné très haut de gamme, voilà, avec des produits chers. Mais une fois que le Mac est arrivé... Ils avaient quand même, ils avaient de beaux produits. Une fois que le Mac est arrivé, et puis tous les autres ont aussi amélioré leur qualité. Hein. C'est vrai qu'on voit tous les portables aujourd'hui, les Toshiba, les HP, enfin voilà, il y a du très beau haut de gamme. Maintenant, Sony, on l'a connu pour d'autres produits. Et je pense qu'aujourd'hui, vous savez, on voit apparaître tous ces produits connectés, ces montres connectées, ces vêtements connectés, toutes ces petites lunettes connectées. Eh bien, Sony, ils sont plutôt forts là-dedans. Je parlais de Satya Nadella qui est câblé cloud chez Microsoft. Bah, chez Sony, ils sont pas mal câblés produits consommateurs, moins PC. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut être branché produits connectés. Sinon, on est un peu à côté de la plaque. Voilà, ils vont peut-être avoir cet axe de recherche. Ils vont peut-être être encore plus forts dans d'autres éléments. La table connectée. Oui, puis les tablettes, hein, puisque le monde des tablettes n'est pas dans le monde Vaio, donc on aura encore des tablettes Sony, des tablettes tactiles Sony. Et quoi qu'il arrive, voilà, le marché du PC va s'organiser autour de quelques grands acteurs, Lenovo, Dell, les 3-4 grands qu'on voit aujourd'hui. Il se murmure que Lenovo pourrait aussi utiliser la marque Vaio dans certains pays, justement. Donc voilà, hein, c'est un peu la déconfiture du côté du PC. C'est un produit de produits. L'ogre Lenovo, qui a racheté Motorola, qui avait racheté les PC d'IBM. Sa carte bleue, là. Ça arrive. Enfin. Bon, voilà pour Sony. On fête maintenant un anniversaire aussi, un anniversaire intéressant. Il y a 10 ans, jour pour jour pratiquement, arrivait un réseau social dans les universités qui ressemblait plus à une espèce d'endroit où les étudiants laissaient leurs photos. Et maintenant, c'est devenu un géant qu'on connaît. Plus d'un milliard d'abonnés, Facebook, bien sûr. C'est un continent, Facebook, aujourd'hui, avec... 1 milliard de ressortissants, avec des hauts et des bas, avec c'est une réussite économique, ça a mis du temps. C'est aussi quelques histoires un peu sulfureuses en matière d'utilisation de la vie privée, etc. Et puis c'est une nouveauté, c'est une nouvelle appli. Tiens, alors ça n'a pas de rapport direct avec les 10 ans d'ailleurs. Ça s'appelle Paper. Il faut la signaler, cette appli Paper. Si vous êtes sur et pour l'instant elle n'existe que sur iOS aux États-Unis. Donc si vous avez un compte Apple français, ça, vous ne la trouverez pas, mais il suffit de bidouiller assez facilement pour pouvoir la télécharger. Et en fait, elle est très jolie et c'est une vraie rupture par rapport à l'appli Facebook qu'on connaît tous sur mobile, puisqu'en fait, elle agrège à la fois l'actualité, on va dire générale. Si vous êtes, par exemple, un fan d'actu techno, etc., vous aurez un flux d'actu techno qui va apparaître. Vous pouvez choisir si vous aimez l'écho, etc. Mais en plus, mélanger votre actualité personnelle de Facebook. Tout ça avec une interface qui est plutôt jolie, qui ressemble un peu à l'appli Flipboard que vous connaissez peut-être, qui met en avant en fait l'image dans l'actualité. Voilà, c'est une appli plutôt jolie qui, espérons-le, arrivera très très vite en France. Et c'est la force de Facebook, je trouve. Si on regarde sur ces 10 ans, Jérôme vient de le dire à l'instant, il y a eu des hauts, des bas. On annonce la mort de Facebook, le déclin. Il y a 2 ans, on disait, oh là là, Facebook, ils ne sont pas sur les mobiles, c'est fini, voilà, on n'en parlera plus, enfin l'action va chuter. Et on voit que Facebook réussit à se renouveler. Et même dans le monde de l'entreprise, nous, on s'y intéresse bien sûr sur 01 Business. Je prends l'exemple des magasins Gap de vêtements. Ils cherchent des nouveaux vendeurs. Comment ils font? Ils vont sur Facebook. Ils font une sélection fan de mode. J'habite à moins de 5 miles. Ils géolocalisent les gens et ils vont trouver 200 profils à qui ils vont adresser. Parce que ces gens-là ont dit qu'ils étaient fans de mode, sur fans Facebook, de fringues, etc. Ce profil. Donc on voit les entreprises commencent à avoir ce recours à Facebook. Donc voilà, ils réussissent à se renouveler avec des nouveaux services. Il y a Paper et puis il y en aura d'autres qui arrivent. Donc voilà, une valeur techno à suivre. Et vous, quel est votre réseau social préféré? C'est la question 01 Net Orange de cette semaine dans le 01 Live. Eh bien, ce n'est pas Facebook qui arrive en tête, c'est Twitter. Twitter à 57%. Alors, c'est peut-être la spécificité des internautes qui nous regardent, mais Facebook n'est pas loin, juste derrière, à 27%.
Foursquare, mon ami, 0%. Rien pour l'instant. C'est vrai que c'est plutôt, on va dire, un réseau social de géolocalisation. Microsoft vient d'investir 15 millions de dollars dans Foursquare. Voilà, c'est amusant. On a quelques commentaires également sur Twitter. Moi, j'aime bien de temps en temps me positionner sur Foursquare, c'est rigolo. Oui, c'est amusant, mais enfin bon, on a vite fait le tour, c'est le cas de le dire. C'est vrai. Ouais, quelques commentaires en vrac. Là, tout à l'heure, j'ai vu passer quelqu'un qui disait on regrettera Bill Gates. On parlait de Microsoft. Mais bon, il est toujours là. Il est pas loin. Ouais. Il sera même sans doute encore plus présent que sous les dernières années Steve Ballmer, hein, je le garantis. C'est vrai. Vaillot était une bonne marque, nous dit Kid sur Twitter. Voilà, enfin bref, continuez. Vous pouvez simplement, en rajoutant le hashtag 01Live sur Twitter, poser votre question, réagir à l'émission. N'hésitez pas, de temps en temps, on ira piocher comme ça sur Twitter. Merci de nous suivre. Peut-être nous regardez-vous à l'instant en direct sur YouTube, mais aussi sur Dailymotion et sur 01net.com. C'est 01net TV. Merci d'être là le jeudi soir. Donc, toute l'actualité de 18h à 18h30. On va peut-être un petit peu déborder parce qu'on est parti en retard. Là, oui, il est déjà 18h21. Bon. Merci beaucoup, Frédéric. Merci à vous. Frédéric Simotel, donc, de la rédaction Frédéric, de 01 Business. Restez là parce qu'on va aborder assez rapidement un sujet qui nous fait rêver. C'est votre prochaine voiture, Frédéric. C'est ça? Regardez cela. Allez, on va vous montrer les images. Regardez, c'est assez impressionnant. C'est une voiture qui roule. Qui roule d'abord. Oui, regardez, voilà. Elle est derrière nous. Hop là, voilà, elle est là. C'est une voiture qui... Alors pour l'instant, elle fait quoi? Elle n'est pas très très belle, ta voiture, Jérôme, quand même, hein, je trouve. Et regardez, voilà, elle est pas belle comme ça avec son parachute. C'est une voiture qui vole, et oui. Et c'est une voiture qui vole, qui est un concept, un projet français. C'est pour ça qu'il s'agit d'images de synthèse. Hein. Ouais. Elle s'appelle Pégase et elle est en train d'être mise au point par une start-up française qui s'appelle Vélone. C'est très sérieux. Ils ont reçu le soutien et même le financement de l'armée. Ils viennent d'intégrer à Paris un incubateur qui s'appelle l'incubateur Boussicaut, qui est à deux pas ici de 01net d'ailleurs. Et ce sont donc des Français qui sont en train de travailler sur ce projet. Alors, à quoi pourrait servir cette espèce de Jeep volante avec un parachute et une grosse hélice? Eh bien, tourner un nouvel épisode de Fantomas, par exemple. Ça pourrait servir pour l'armée, on l'a dit, par exemple, pour faire du renseignement, des choses comme ça, pour faire des secours, également pour des interventions de secours sur des lieux de catastrophe. Pour arriver plus vite à 01net aussi, quand on est en retard. Oui, mais alors, t'as vu, ça prend de la place quand même avec un parachute. C'est un concept de voiture. Puis t'as pas intérêt à rater le toit aussi de l'immeuble. C'est et ça alors, le souci. Alors, les Français, je rajouterais juste une petite chose. Les Français ont déjà, si vous faire une petite... de publicité pour mon quartier à Boulogne-Billancourt, donc à quelques pas d'ici. Ouais. Il y a une exposition en ce moment à l'espace Landowski où on parle de toute l'aviation. Et si vous y allez, vous allez pouvoir, il y a le musée de l'aviation, il y a une formidable exposition. Et vous allez voir, il y avait des voitures roulantes déjà à l'époque. Les voitures volantes. Qu'on voit sur les voitures volantes. Des avions roulants. Des avions roulants. Ils sont repliés. Vous verrez, c'est le début. Mais il y a plusieurs concepts. Il y a des choses qui se préparent aux États-Unis avec. Plus des voitures à réaction avec les ailes qui se déplient. Et bien, nous, début du siècle, il y a des photos, on voit ces premiers. Mais c'est vrai que le fantasme de la voiture. Sur les grands boulevards à Paris. Le fantasme de la voiture volante, ça fait un siècle, mais elle n'existe pas encore. Imaginez un peu les embouteillages qu'on pourrait avoir dans le ciel avec ce genre de choses. Merci Frédéric. Merci. À bientôt. Voilà, Frédéric, que vous pouvez lire et voir sur 01 Business et sur BFM TV aussi, pour Culture Geek. Allez, on continue 01 Live tout de suite avec la chronique de Delphine Sabatier, Zoom Actu de Delphine. Bonjour Delphine. Bonjour. Delphine Sabatier est avec nous. Bonjour. Delphine qui nous rejoint tous les jeudis soirs. Directrice de la rédaction de 01net. Et on va parler donc de Google. Voilà. Comme d'habitude, on va essayer de décrypter une question un peu complexe. Il y a l'actualité. Google. C'est vrai qu'on ne parle que de Google. Google qui est partout et qui pose des problèmes, évidemment. Vie privée, fiscalité, position dominante. Google est-il devenu le grand méchant loup? Oui, alors d'abord, c'est un grand méchant loup qu'on adore, hein, tout le monde. On va tous sur Google. Je vous donne juste deux chiffres récents de Médiamétrie. C'est le numéro un des sites en France. Aujourd'hui, il fait 15 millions de visiteurs uniques chaque jour. Et l'ensemble du groupe, c'est-à-dire avec ses autres sites comme YouTube, c'est 41 millions de visiteurs uniques par mois. Il est même loin de Facebook dont vous parliez tout à l'heure. Donc entre Google et les internautes français, c'est quand même une love affaire. Oui, mais une love affaire, Delphine, qui n'est pas du goût de tout le monde. Oui, pour les entreprises, en revanche, qui ont pignon sur le web, c'est plutôt un cauchemar. Parce qu'aujourd'hui, Google, ça leur demande de sortir de plus en plus d'argent. On a appris notamment que les grandes boîtes comme Adobe ou Voyage SNCF
dépensent chaque mois plusieurs millions de dollars pour Google. Et alors là où le bât blesse, c'est que Google ne paye pas suffisamment d'impôts en France. Oui, la pilule est un peu difficile à avaler. 6,6 millions d'euros en 2012 d'impôts en France. Alors ridicule, hein, selon les spécialistes économiques, qui estiment que Google réalise un chiffre d'affaires d'1,5 milliard d'euros à peu près par an, contre 190 millions vraiment déclarés. Le reste passant en facture via l'Irlande. Et d'ailleurs, il se murmure que c'est Google serait sous le coup. C'est trop pour cela, ouais. Ils ne sont pas les premiers, pas les derniers. Ouais. D'un redressement fiscal d'1 milliard d'euros. Oui, 1 milliard d'euros, c'est énorme. Hein. Alors, en Europe, une quinzaine de sociétés ont porté plainte d'ailleurs contre Google pour abus de position dominante. Oui, avec 90% de part de marché sur la recherche, Google ne doit pas normalement faire tout ce qu'il veut. Par exemple, mettre en avant ses propres services plutôt que ceux des concurrents, ça ne se fait pas. Or, justement, ça pose problème aujourd'hui avec ses propres comparateurs de prix. Donc, on voit à l'écran Google Hotel Finder, Google Fly, Google Shopping. Par exemple, si vous cherchez un Paris-New York, un vol, un hôtel à Lyon ou alors acheter un iPad, et ben Google fera remonter d'abord ses propres offres. Google, c'est le morceau de scotch du capitaine Haddock. On ne sait pas comment s'en débarrasser. C'est clair. Alors, tout le monde est content ou pas? Alors, il y a d'abord un accord, heureusement, qui a été trouvé, parce qu'il était sous le coup d'une amende de 5 milliards d'euros. Mais la commission a dit, finalement, elle se satisfaisait des conditions qu'avait concédées Google. Alors, entre autres concessions, maintenant, Google devra faire remonter 3 comparateurs concurrents du sien dans sa liste de résultats. D'accord. Et tout le monde n'est pas content. Non. Et non, parce que les plaignants dénoncent, en fait, une nouvelle pompe à financement pour la firme américaine, puisqu'il faudra payer en plus pour décrocher la place dans ces 3 places disponibles en haut des résultats. Alors, est-ce que ça veut dire qu'en tant qu'internaute, finalement, avant de cliquer sur Google, eh ben, il faut y réfléchir à 2 fois? Ben, on peut adorer Google et en même temps se poser cette question, effectivement. Est-ce normal d'aller sur Google presque de manière systématique, inconsciente? Alors, on avait discuté avec le patron de Bing, qui est le moteur de recherche de Microsoft, qui racontait à 01net, Microsoft a dépensé un gros budget marketing aux États-Unis simplement pour dire aux Américains, pensez 2 secondes avant de lancer une recherche. Incroyable. Résultat, ça a marché. Hein. Aux États-Unis, Bing fait 20% de part de marché. Mais on est encore loin de casser totalement le réflexe Google. Ouais. C'est vrai qu'en France, Google marche très très fort, hein. Beaucoup plus d'ailleurs qu'aux États-Unis. Alors à nous de réfléchir maintenant, avant de faire nos recherches. Voilà, c'est vrai. Mais est-ce qu'on a le temps parfois de réfléchir? Parfois, ça vaut le coup de prendre le temps. Merci beaucoup Delphine. Merci Delphine. Delphine Sabatier, directrice de la rédaction de 01net, pour son Zoom Actu, comme chaque semaine. On va maintenant aller direction le 01 Lab, Jérôme. Ouais, c'est pas loin et vous allez voir, c'est pas loin. Des choses. Et c'est pas mal du tout. Et des choses. Un lab, donc, voilà, qui, vous savez, chaque semaine nous montre un peu des produits high-tech étonnants qui valent le détour. Vous savez que le Zéro Lab teste des dizaines et des dizaines de produits chaque semaine. On va retrouver Stéphanie Molinier maintenant depuis le Zéro Lab. Elle est avec nous. Est-ce que Stéphanie nous entend en duplex depuis le Zéro Lab? Je vous entends. Salut Stéphanie. Bonjour. La satellite est géniale. Bonjour à tous les deux. De 10 mètres, formidable. C'est vrai que ça marche super bien. Ça marche très bien. Bon, Stéphanie, qu'est-ce que tu as en main? Oh, tiens, un smartphone. Étrange, un smartphone. Alors, bah, c'est un smartphone un petit peu particulier parce qu'il est de la marque Kazam. Donc voilà, c'est noté Odo. Et Kazam, c'est un nouveau venu dans le domaine de la téléphonie. Ouais. Et c'est pas le premier à être le nouveau venu, hein, il y en a eu beaucoup. Mais là, ça arrive avec force de service et puis beaucoup de magasins dans lesquels les smartphones seront référencés. Donc, on se dit que ça peut très bien être un bon concurrent de Wiko ou d'autres smartphones low cost type marque Arcos, voilà. Par exemple. Parce que de loin, comme ça, quand tu nous le montres, bon, il ressemble à n'importe quel smartphone. Non, il a quand même une spécificité, Stéphanie? Alors, bah, l'objectif de Kazam, c'est avant tout de répondre très précisément aux besoins des utilisateurs et pas de leur mettre forcément un équipement qu'ils vont finalement jamais utiliser. Et l'avantage de partir de ce principe, c'est qu'on propose un smartphone à tout petit prix, puisque ce smartphone, qui est quand même équipé d'un bel écran de 4,5 pouces, est un smartphone qui ne coûte que 169 euros. Voilà, c'est incroyable, hein. On a de plus en plus de smartphones
assez bien plus de smartphones, équipé, moins on va dire, technologiquement, à moins de 200 euros. Là, on est à 169 euros pour quelque chose qui tient la route. Il est 4G, par exemple, ce téléphone? Alors, non, celui-ci n'est pas 4G. Il est 3G. Mais la version 4G sera disponible d'ici un mois ou deux pour moins de 200 euros. Donc ça reste quand même très très abordable. Et l'avantage de ce petit smartphone, c'est que l'écran est plutôt joli. On a une interface animée qui est assez sympathique. Côté équipement, c'est pas mal. On a un processeur 4 cœurs à 1,3 GHz. On a surtout en fait des éléments qui plaisent aux consommateurs, c'est-à-dire que on a une mémoire interne qui est petite mais qui peut être augmentée grâce à un lecteur de micro SD. On a une batterie qui est amovible, donc ça veut dire qu'en cas de panne, on peut la changer facilement. D'accord. Donc c'est vraiment toutes sortes de petits détails qui sont pas mal. Côté performance, on a commencé les tests. Il y a du pour, il y a du contre, mais dans l'ensemble, c'est assez satisfaisant. Donc, et surtout, la partie importante, c'est que ce smartphone arrive avec des services. Et ça, c'est un peu la première fois. Même pour un smartphone low cost, il y a des services? Voilà, tout à fait. Par exemple, le service le plus important, c'est que pendant la première année, si on a le malheur de casser son écran par accident, eh bien, la marque s'engage à le réparer. Pas mal. C'est sympa, ça. Sans payer un supplément. A priori, non. C'est totalement gratuit. Et il y a un deuxième service aussi qui est assez sympa. Il y a une application qui permet au hotliner de Kazam de prendre en main à distance le téléphone, ce qui veut dire qu'un consommateur qui a un souci de paramétrage, ah oui, c'est pas mal. Voilà, peut se faire dépanner par la hotline très facilement. Parfait. Donc, c'est sorti, Kazam. Il y a un très joli fond d'écran. Hein. Franchement, oui, tu l'as bien choisi, Stéphanie. Avec des petites fleurs qui bougent, comme ça, c'est trop mimi. C'est tout mimi, il est tout fin, il est assez joli, donc plutôt sympa. Merci Stéphanie, du 01 Lab, avec ce Kazam, donc marque qu'on ne connaît pas et qui arrive en France. Commentaire sur Twitter, je préfère un low-cost Nokia, marque connue, plutôt que des trucs bizarres. Et ça, c'est peut-être la problématique pour certains qui va se poser de plus en plus. Quoi. Est-ce que, oui, mais bon, alors après, si tu prends Nokia, c'est du Windows Phone, on n'est pas dans l'univers Android, c'est un autre OS, une autre philosophie, etc. Ouais. Voilà, vous savez, chaque semaine, petit rendez-vous du côté du 01 Lab. On va maintenant accueillir David Noguera qui est dans ce studio avec nous. David, bonjour. Bonsoir David. David Noguera, journaliste aussi au 01 Lab. Exactement. David qui était à Amsterdam. Oui, c'était effectivement une première pour Zeronet, le salon ISE, Integrated Service Europe. De quoi s'agit-il ? À la base, c'est un service. C'est quoi ce salon ISE ? C'est un salon pour les pros. Ouais. Donc effectivement, c'est, on voit des choses complètement démentes, des vidéoprojecteurs qui sont dédiés aux salles de cinéma. Donc on les approche, on voit effectivement des bestiaux qui sont quasi aussi grands que cette table. Donc c'est vraiment super impressionnant. Ça a été l'occasion aussi de découvrir des produits, des évolutions de produits comme les vidéoprojecteurs 4K de Sony. Ils sont quand même de très très beaux joujoux qu'on trouve dans des circuits de distri maintenant un petit peu plus accessibles au grand public. Grand public. Ouais. Ça a été 20 000 euros quand même à mettre. Ah voilà, c'est le prix qui n'est pas forcément très grand public. Voilà, c'est ça, exactement. L'autre tendance qui était amusante, parce que si on y est allé, il y a quand même des choses qui parfois arrivent dans le grand public qui sont aussi issues du monde professionnel. C'est le tactile. Moi, j'ai été assez bluffé de voir effectivement partout dans le salon des vidéoprojecteurs. Alors, c'est focal ultra court, en fait, c'est vidéoprojecteur qui projette sur un miroir, qui retourne l'image et reprojette ensuite sur une toile. Et tu peux piloter ton image dessinée avec un stylet. Et maintenant, c'est carrément au doigt. Mais ça sert à quoi ? Alors, c'est toujours dédié au monde professionnel, l'éducation, effectivement, ou des amphis, t'as tes élèves, tu veux effectivement faire ta présentation un peu enrichie. C'est super amusant, mais par exemple, le Screenéo qu'on a vu de Philips au CES, c'était aussi un vidéoprojecteur qui utilisait ce système de rétroprojection. Donc c'était plutôt pas mal. Voilà. Bon, David, qu'est-ce que tu nous as apporté là ? C'est quoi cette lunette un peu Google Glass, mais où il y a écrit Epson dessus. C'est ça, exactement. C'est la deuxième mouture des Moverio, donc Moverio BT200. Qui sont en fait, alors peut-être qu'effectivement ils vont elles n'ont rien de mauvais, c'est vraiment un produit je ne savais pas comment ne pas la faire, excusez-moi. D'ailleurs, du coup, on me voit effectivement. Ah oui. C'est très joli. Comme c'est effectivement des lunettes avec un système de vidéoprojection sur les côtés. Et puis, en surimpression de ce que tu vois derrière, tu retrouves toute l'interface d'Android, puisque là-dessus, il y a un système Android avec une plateforme similaire à celle d'un smartphone. Donc, tes applications Android, ton navigateur Internet, de la vidéo. Et puis, comme il y a aussi du Wi-Fi, du GPS, un capteur gyroscopique, on peut envisager plein de choses, et notamment de la réalité augmentée.
lunettes. Mets ta paire de lunettes, tu vas au musée et tu te fais commenter ton tableau parce qu'il y a la petite caméra qui a reconnu le tableau et qui te balance effectivement tout le descriptif. Il y a un gros fil encore. Il y a encore un gros fil. Il y a le boîtier qui est, du coup, ils ont un peu amélioré cette solution tactile en intégrant une zone plus large. Mmh. Et effectivement, c'est du coup plus efficace. Ouais. Voilà. David, en un mot, il y avait de l'hi-fi également ? Il y avait de l'hi-fi aussi. J'ai vu de très, très belles choses, des enceintes complètement loufoques avec des designs assez hallucinants et de très, très beaux produits chez Bang & Olufsen. Vraiment, colonnes. Les rois du design. Ah, là, c'est de la colonne sans fil, 4000 euros la paire sur le modèle qu'on voit. Ça, c'est Bang & Olufsen. Ouais. Voilà, c'est système d'applique. Et puis, il y a un système assez monstrueux. Voilà, c'est ce modèle-là, BO Lab 5 de mémoire, qui est quand même à 16 000 euros le joujou. Voilà. Il faut quand même avoir une carte bleue gold au minimum, voire platine. Au minimum gold, voilà, c'est ça, exactement. Merci beaucoup, David. David Noguera, donc, journaliste au 01 Lab. Bon, Jérôme, on a presque terminé notre 01 Lab Hebdo. Mais vous le savez. Oui, maintenant, ça est devenu presque une habitude, un rituel. Notre coup de cœur. On vous garde pour la fin, des petits coups de cœur. Allez, je commence. Vas-y. Parce qu'on était dans la vidéo. Eh bien, moi, mon coup de cœur cette semaine. C'est ceci, c'est cette boîte dont vous avez peut-être entendu parler, ben pas plus tard que ce matin, sur 01net TV. C'est le bloc d'Orange. Qu'est-ce que c'est que le bloc ? Un petit reportage qui est déjà, que vous pouvez voir sur 01net TV. Voilà, et bien c'est donc ce vidéoprojecteur autonome, connecté, qui se connecte à la box. Alors en l'occurrence, donc on l'a dit, c'est l'opérateur Orange qui fait ça. Donc c'est très orienté Livebox, mais ça peut aussi fonctionner si vous êtes chez un autre opérateur. Alors on n'aura pas toutes les fonctionnalités, mais on pourra quand même regarder des vidéos, etc. Et puis c'est aussi une enceinte connectée sans fil, stéréo en plus, il y a un haut-parleur de chaque côté. Ça fait plein de choses, en fait voilà, c'est le truc qui va vous permettre d'avoir un deuxième écran sans écran à la maison pour projeter sur le mur avec une taille d'image qui peut aller jusqu'à 3 mètres de diagonale. Condition quand même que la salle soit bien sombre et que le mur soit bien blanc. Alors, tu n'as pas dit le prix, Jérôme ? Non, mais c'est une surprise. Tu ne veux pas dire le prix, c'est ça ? 400 euros, ça 400 coûte 400 euros. Ouais, voilà. C'est quand même un joujou pas donné. Oui, mais je pense que c'est vraiment une nouvelle race de produits. Il y aura peut-être d'autres marques après, c'est intéressant. Regardez, il est arrivé à la rédaction de 01net TV, pas plus tard qu'il y a quelques heures. C'est ton coup de cœur ? Et c'est mon coup de cœur, c'est le téléphone de LG, le LG Flex. On vous l'avait présenté en avant-première il y a quelques semaines de cela, à la fin de l'année. Regardez ce téléphone, il est étonnant, il est incurvé. Et alors vous allez me dire, c'est super, mais ça sert à quoi ? Ah, c'est la bonne question. Ça sert à quoi ? Eh bien ça sert, en fait, lorsque vous regardez des vidéos, parce que l'écran est immense, regardez, c'est un super bel écran. Ça sert à essayer de le remettre droit pour se calmer. Voilà, c'est ça, mais tu sais que tu peux le faire. Alors je ne sais pas si Bérangère peut nous faire un plan, enlève ton bloc. Voilà, regardez donc, le téléphone est quand même assez courbé. Je peux l'aplatir, en quelque sorte. Il a une certaine élasticité. Je ne le casse pas en faisant ça, enfin j'espère en tout cas. Et non, il ne se casse pas. Et donc, oui, la particularité de cet écran, c'est que lorsque vous regardez des vidéos en mode panoramique, et là, vous avez une immersion dans l'image qui est assez sympa. Et puis, LG dit qu'aussi le son est meilleur, parce qu'étant donné que l'écran est incurvé vers le visage, le son sera meilleur aussi lorsque tu passes un coup de fil. Bon, il fallait inventer un truc, donc voilà. Ouais. Il est inventé. On attend le smartphone souple, cela dit. Oui, c'est la première étape en quelque sorte. Oui, c'est la première étape. Ce LG Flex. Bon, voilà, on vous rappelle bien sûr le sondage débordé. Aussi. Oui, on a pas mal débordé. Veuillez nous en excuser, mais on a commencé un petit peu avec un petit peu de retard. Je vous rappelle notre sondage. Quel est pour vous le meilleur réseau social ? Quel est le réseau social que vous utilisez le plus ? Allez-y, vous pouvez. Favori. Tu veux un petit pointage ? Allez, on y va. Twitter, toujours en tête. Toujours Twitter. Suivi de Facebook. Suivi d'Instagram, de Snapchat et Foursquare en queue de peloton. Et puis il y a d'autres réseaux sociaux qui visiblement aussi existent, on le sait, puisqu'en troisième position, en fait, on avait la réponse autre, donc autre réseau social. Voilà. Merci de nous suivre comme chaque jeudi soir en direct sur 01net.com. C'est le 01 Live Hebdo. Vous pouvez continuer à voter, bien sûr, sur la page 01 Live Hebdo sur 01net.com. On se retrouve tous les jours sur 01net TV, vous le savez, pour toute l'actualité high-tech. On compte sur vous et on sera là, bien sûr, jeudi prochain dès 18h. Passez une très bonne soirée. Retrouvez la vidéo du jour demain matin à 7h. Et puis le replay, bien sûr, dans quelques minutes. Le replay de cette émission sera disponible sur YouTube, sur Dailymotion et sur 01net.com. On a du mal à vous quitter, mais enfin là, on y va. Oui, on y va. À très vite à tous. Et bonne soirée. Salut.